La priorité, c'est mettre la MINUSTAH et le gouvernement en état de travailler. Vous avez vu que le building de la MINUSTAH s'est effondré avec le représentant du secrétaire général, son assistant et tout le staff est mort. La deuxième priorité, c'est de dégager les rues pour aller porter secours aux gens. La troisième priorité, je dirais que c'est faire attention à l'état sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de cadavres qui risquent de créer des épidémies. On a déjà commencé à enlever les cadavres. Ok, alors moi je vais te laisser parce que je vais faire le montage et envoyer les soins de moi.